France est ici alors qu'on va parler de l'éducation et de la culture congolaise. Eh bien, je suis ici pour écouter, parce que moi j'ai beaucoup à apprendre sur votre culture. Je suis aussi ici parce que, comme le disait le conseiller stratégie, j'ai vu une jeune femme sur les réseaux sociaux qui faisait des posts que j'ai trouvé vraiment extraordinaires. Et c'est Swek. Et je lui ai demandé de la rencontrer et j'ai voulu qu'elle me parle de la jeunesse congolaise. Et c'est là où elle ne m'a pas lâchée. Elle m'a dit, je fais un événement, Madame Claire, il faut être avec moi. Et je suis ici avec vous grâce à elle. Et je voudrais un peu vous parler de cette jeune femme, parce que je trouve que c'est un modèle de cette jeunesse congolaise que je vois là sous mes yeux, extrêmement enthousiaste, présente un samedi matin. Et Swek incarne un peu ce dynamisme que vous montrez aujourd'hui. Je pense que vous allez tous avoir un très grand avenir. J'écouterai aussi ce que vous savez de votre pays. N'oubliez pas, vous devez m'apprendre des choses. Et pour m'apprendre des choses, vous devez vous-même les apprendre. Donc, vous êtes au seuil de votre vie. Moi, je suis plutôt à la fin. Et je voudrais vraiment vous retrouver tous dans des positions extraordinaires, dans des positions qui feront que vous êtes heureux de votre vie. Donc je compte sur vous pour être dynamique, heureux, entreprenant et d'avoir la même détermination de cette petite Swek qui nous a tous rassemblés ici. Je voulais vous remercier de m'accueillir ici chez vous et je voudrais surtout m'associer au remerciement de Madame l'ambassadrice auprès de Swek qui effectivement est celle qui m'a amené ici parce que j'ai trouvé ce projet très beau, très ambitieux et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que j'aime les gens ambitieux, j'aime la jeunesse ambitieuse. J'aime les jeunes qui voient loin, très loin, même si ça paraît sombre, mais qui voient la lumière au loin, et cela mérite d'être encouragé. Ma joie de me retrouver avec vous, homologue jeune, pétri de talent et de passion, sur qui repose l'avenir de notre nation. Le poète français Paul Éluard disait en son temps, je cite, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Fin de citation. Cette rencontre, loin d'être fortuite, revêt une importance capitale au regard de son objectif noble. Permettez-moi d'affirmer qu'en ce lieu historique et à cet instant précis, nous sommes sur le point d'éveiller le génie congolais. Et rien que pour ça, je vous prie très respectueusement de faire une salve d'applaudissements pour vous, mais aussi pour les organisateurs de cette événement.
merci. Mesdames et messieurs, chers homologues jeunes, l'être humain, comme nous le savons tous, se constitue sur la base d'une double transmission. Je peux affirmer sans risque de me tromper qu'elle est génétique et culturelle. Car l'enfant assimile également par mimétisme des manières d'être, des pratiques relationnelles et des savoir-faire. Et l'école, ce haut lieu d'instruction, constitue du fait de la transmission de connaissances par l'enseignement une part très importante dans le processus de sculpture de la personnalité d'un individu. Nous y apprenons à lire, à écrire et à compter. Nous y acquérons des compétences et développons nos potentiels intrinsèques. Tout ceci m'emmène à vous encourager vivement à faire montre de discipline et de persévérance durant votre parcours académique. Permettez-moi de prendre pour exemple les invités de marque présents dans cette salle. Comme vous, ils ont été sur le banc de l'école. Aujourd'hui, on peut les considérer comme des modèles au sein de notre société. Inspirons-nous d'eux et essayons de faire mieux. Chers homologues jeunes, un proverbe africain nous rappelle qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Fin de citation. Nous sommes à n'en point douter, pas juste les défenseurs de notre culture, mais aussi et surtout ceux qui ont la lourde charge d'assurer sa pérennité, en la promouvant au quotidien et parfois en la réinventant, sans qu'elle ne perde son authenticité. Je profite donc de ce livre pour féliciter Sweat Academy, qui entend apporter sa pierre à l'édifice afin que notre culture résiste à l'usure du temps. Remercier cette brillante dame. Lorsqu'elle m'a parlé de son projet, elle m'a dit de venir vous parler en 5 minutes. C'était un challenge, je lui ai dit que c'était peu. Et plus tard, elle a dit en 10 minutes de la culture congolaise et aussi de vous encourager dans vos études. Alors, je ne sais pas si je vais verser dans un long exposé sur la culture congolaise. Ce n'est peut-être pas l'occasion ou le lieu. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai une histoire à vous partager. Cette histoire, c'est la mienne. Il paraît que le moi est haïssable, mais je crois que je vais me rendre aimable lorsque vous m'aurez écouté après ça. Je suis fils d'enseignant. Ma mère était institutrice et mon père était professeur de lycée, d'histoire et de géographie. Donc ça veut dire qu'en ma qualité de fils d'enseignant, j'ai eu une relation particulière avec l'école. J'étais un élève plutôt assidu. Vous allez me dire, bon, tout le monde dit ça, tout le monde était le premier de la classe, tout le monde était brillant, tout le monde était discipliné. Mais dans mon cas, c'est vrai. Je ne suis pas là pour vous mentir. J'étais un élève assidu. J'avais pas de très bons résultats au primaire, mais j'en ai eu de bons au collège et au lycée. Et puis après, il y a eu l'université et la vie professionnelle. Ce que ce parcours de vie m'a appris, c'est que l'école, c'est le lieu où, à la fois, on construit son avenir, mais aussi le lieu où se construisent les citoyens. Parce que vous êtes congolais, vous avez une nationalité, vous appartenez à un pays. Et donc, s'il faut prendre la première facette de cette leçon que j'ai tirée, c'est-à-dire l'avenir, vous devez comprendre que à l'école, vous apprenez des choses qui vont vous servir plus tard. Lorsque vous êtes évalué au cours d'un mois ou au cours d'un trimestre, très souvent, c'est pour pouvoir passer un examen. Vous lisez, vous révisez vos cours parce que vous allez être évalué en maths, en sciences physiques, en histoire ou encore en anglais. Mais vous devez comprendre que tout ce que vous apprenez aujourd'hui va vous servir demain. Et donc les évaluations que vous passez ne vont pas seulement vous aider à passer en classe supérieure, mais aussi vous aider
à mieux briller dans votre vie professionnelle, à faire des choix. Et c'est pour ça que vous remarquerez que vous pouvez avoir fait des études de physique et puis éventuellement travailler dans autre chose que dans le domaine d'un physicien. Moi, j'ai fait des études de droit et je travaille dans la culture. C'est un exemple que les études ne nous apprennent pas tout. En tout cas, gardez-le bien en tête. Les profs ne sont pas des omniscients. L'école ne vous apprendra pas tout, mais l'école va vous donner des bases. Et c'est grâce à ces bases que demain, vous serez amené à faire des choix. Des choix qui vont vous aider à avoir un métier, des choix qui vont vous aider à mieux construire et mieux orienter votre vie. Et le deuxième versant que je voulais aborder, et donc la deuxième chose que l'école m'a aussi appris, c'est qu'on appartient à un pays, on est des citoyens. Et quand on est des citoyens, on doit comprendre qu'on est membre d'une communauté. Notre communauté s'appelle le Congo. Et au Congo, on a des adultes, on a également des enfants, donc c'est ce que vous êtes pour beaucoup. Et demain, vous êtes appelé à être majeur, à prendre vos décisions tout seul. Vous ne serez certainement plus amené à écouter vos parents pour prendre chacune des décisions de vos vies, parce que la décision vous reviendra. Vous aurez le droit de voter, donc de choisir qui va diriger votre pays, mais aussi de choisir ce que vous voudrez faire de votre vie, quelles sont les appartenances que vous voulez avoir sur le plan religieux, sur le plan politique. Et dès lors que vous comprenez ça, vous comprenez qu'il vous faut un socle. Parce que pour être orienté, on a besoin d'une base. Et ce socle s'appelle la culture. Et c'est quoi la culture? Elle est difficile à définir, parce qu'elle se décompose en tellement de choses. Mais la culture, c'est le lingala que vous parlez probablement quand vous êtes au marché de l'intendance en train de chercher des tsuteke. La culture, c'est le munkutuba que vous écoutez lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. La culture, c'est le moshi, c'est le teke, c'est le vili, c'est le lari que vous entendez à la cité et aussi peut-être dans les contes d'un grand-père ou d'une grand-mère. La culture, c'est le sakasaka que vous avez suivi, c'est le manioc que vous mangez tous les jours. Merci beaucoup. Académie, c'est une association qui a pour mission de promouvoir l'éducation et la culture congolaise à travers des initiatives culturelles et éducatives. Donc quand on organise un événement de ce genre, c'est tout simplement pour faire la promotion de la culture congolaise. Je pense que vous avez eu une petite idée de tout ce qui s'est passé durant l'événement. Nous avons sensibilisé les élèves dans leurs études, parce que ce sont ces élèves-là qui sont l'avenir de demain et nous comptons sur eux. Donc voilà pourquoi nous avons invité quelques personnalités publiques. Certains sont des modèles pour certains élèves. Donc du coup, le fait que nous avons invité ces gens-là, le fait qu'ils ont eu à les sensibiliser, ça joue un grand rôle. Si on a ce genre d'activité qui pousseront les jeunes à connaître plus leur pays, ça va nous permettre d'apprendre plus sur nous. Parce que nous remarquons que dans nos écoles, on enseigne plus sur la culture des autres, on ne parle même pas de nous. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que notre histoire finira par s'éteindre si on n'apprend pas aux élèves leur propre culture. Comment s'intéresser sur les autres alors que sur nous-mêmes, on n'en parle pas? C'est comme si notre culture à nous ne comptait que pour du beurre. Alors que notre propre culture, c'est notre base. Avant de s'intéresser à la maison des autres, pensons d'abord à l'autre, à notre maison. En fait, pour la première impression, c'est pas d'être simplement deuxième, mais c'est d'avoir gagné autant de connaissances sur mon pays.
Je ne savais pas que je vivais dans un pays où j'étais moi-même étranger. Il n'y avait pas que moi. Je n'étais pas totalement sur toutes les bases où on a posé, mais ça m'a permis d'acquérir plusieurs connaissances que je ne savais pas sur mon propre pays.